Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un thème très important. Quel est ton programme pour la fin des temps? Nous sommes dans la fin des temps. La vie est très belle, mais très courte souvent. Et la mort peut intervenir à tout moment. Alors, je sais qu'au quotidien, tu as ton programme. Je sais que tous les jours, tu vis selon ton programme. Mais est-ce que ce programme est en rapport avec la fin des temps ou la fin de ta vie? La mort, elle peut arriver à tout moment. Bon, moi je te propose le texte suivant, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. Ici, dans ce passage, l'Église primitive, l'Église moderne, que nous devions copier vraiment, tous les membres étaient du moins d'un seul cœur et d'une même pensée. Alors, ce qui s'est passé, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Et Dieu faisait des miracles formidables parce qu'ils étaient d'un même cœur, d'une même pensée. Donc, un même amour, un même reflet de la bonté et la grâce de Dieu se manifestait au milieu d'eux. Alors, leur programme était en fonction de la fin des temps. Leur programme était en fonction de la volonté de Dieu. À chaque minute, chaque seconde de leur vie, alors Dieu se manifestait au milieu d'eux. Donc, dans tes programmes, il faut y penser. Mets Dieu en priorité. Je te dis comment faire. Je te fais une proposition du programme de Dieu. Premièrement, il faut vivre des mêmes cœurs et d'une même pensée avec Dieu. Deuxièmement, il faut apporter le cœur de Dieu dans le sein de ta famille. Le cœur de Dieu dans le sein de ta famille. Et troisièmement, apporte l'amour et les pensées de Dieu dans ton environnement, partout où tu te trouves, peu importe la nation, donne l'image du Dieu vivant. Apporte les pensées de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. C'est un programme dont Dieu sera très content de te voir appliquer par ces fins de temps, par cette fin de temps-là. La fin peut arriver à tout moment. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose que Dieu aime. Autour de toi, les gens doivent savoir qui est l'Éternel, qui est Jésus. Dans le sein de ta famille, tes enfants, ta femme, ton époux, ils doivent savoir qui est le Dieu vivant, qui est Jésus-Christ. L'amour de Christ doit transparaître, doit être vécu dans ta famille. Et dans ton lieu de travail également, ça doit être pareil. Donc, programme-toi en fonction du programme de Dieu. La fin des temps est arrivée. La vie est courte. Tout est possible. Pour ça, tout ce que tu dois faire, tu dois en toi-même vaincre la précipitation. Tu dois vaincre l'impatience. Tu dois vaincre la distraction, la dispersion. Tu dois écraser le péché sous toutes ses formes. Et tu dois être animé de la joie de servir ton Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois discerner, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. Tu dois avoir une stratégie, une vision, un programme, un rêve qui soit calqué de la volonté de Dieu, avec un courage fort. Alors, on y va pour le programme divin. Tu peux réussir, tu vas réussir. Merci.